Bon, Jean-Michel, je crois que cette année je vais craquer. Hein. Ah bah bon, on va jouer pas mal à Football Manager, je pense. Ah, ça sort bientôt, ouais, et puis bah du coup je suis un peu chaud. Alors je sais pas comment on va le caler dans le calendrier, je sais pas comment on va faire. Mais on va jouer à Football Manager, c'est sûr et certain. Ouais, je sais pas quand, je sais pas comment, mais on va le faire. Oh pardon, vous êtes là, bonjour à tous, on est de retour pour une nouvelle vidéo pour parler des occasions du jour sur Gran Turismo 7. Il y a encore beaucoup de mouvements aujourd'hui, beaucoup de ruptures de stock, beaucoup de nouveautés. On va vérifier tout ça. Pour commencer, la Lancia Delta HF Integrale Evolutionnée 1991 qui est en rupture de stock. Si vous êtes passé à côté, il faudra attendre un tout petit peu avant qu'elle revienne. La Nissan Silvia QS S13 1988 vient d'arriver en stock à 31 900 crédits. Un véhicule que vous pouvez remporter dans le GT Café numéro 10. La BMW 3 litres CSL 1973 est en stock limité à 203 800 crédits. Elle était déjà en stock limité hier, cette voiture est à prendre si vous ne l'avez pas encore. L'Alpine A110 1972 est exactement dans le même cas. À 131 000 crédits. Nouveau véhicule, le Honda S800 1966 à 50 700 crédits. C'est un véhicule à acheter si vous ne l'avez pas encore. La Honda Beat 1991 est en rupture de stock. La Mitsubishi GTO Twin Turbo 1991 vient d'arriver en stock à 39 600 crédits. Je peux vous donner une petite info que j'oubliais de donner généralement. C'est que cette voiture, vous pouvez la gagner en ayant le permis B en or. Et c'est vrai que j'y pensais jamais que quand on a le permis, on pourrait aussi récupérer des voitures. Donc je vous ai dit souvent des bêtises sur la GTO Twin Turbo, par exemple. Sur d'autres voitures également. La Porsche 911 Turbo 930-1981 vient d'arriver en stock à 220 600 crédits. Une voiture que vous pouvez remporter dans le GT Café numéro 31. La Honda Integra Type R DC2 1995 est en rupture de stock. La Mitsubishi Lancer Evolution 5 GSR 1998. Vient d'arriver en stock à 73 400 crédits. Cette voiture, il est impossible de l'avoir autrement qu'en occasion. La De Tomaso Pantera 1971 est en rupture de stock, comme le Lancer Evolution 6 GSR TM SCP 1999. La Toyota Supra 3 Litre GT Turbo à 1988 vient d'arriver en stock à 105 400 crédits. Cette voiture, vous pouvez la gagner dans le GT Café numéro 32. La Lamborghini Diablo GT 2000 vient d'arriver en stock à 789 300 crédits. Cette voiture, il est impossible de l'avoir autrement qu'en occasion. Ça coûte un petit peu cher, mais si vous avez les crédits, il faut absolument l'acheter. Surtout qu'elle reste généralement pas très très longtemps en stock. La Chevrolet Corvette ZR1 C4 1989 vient d'arriver en stock à 77 700 crédits. Cette voiture, vous la gagnez dans le GT Café numéro 27. La Ferrari F430 2006 est en stock limité à 201 300 crédits. Une voiture que vous pouvez acheter neuve pour 243 200 crédits. Si vous voulez faire une petite économie, pourquoi pas. Sachant que c'est le dernier jour pour la prendre avant la rupture de stock. La TVR Tucson Speed 6 2000 est en rupture de stock. Si vous êtes passé à côté, il faudra attendre qu'elle revienne. La Toyota Sprinter Trueno 1600 GT Apex Shigeno version à 98 700 crédits vient d'arriver en stock aujourd'hui. Une voiture qui est à prendre, il est impossible de l'avoir autrement. Et enfin, pour terminer, pour, du côté des occasions, la BMW M3 2003 qui est en rupture de stock et que vous pouvez remporter dans le GT Café et que vous pouvez également acheter neuve sans aucun problème. On va passer du côté des légendes, ça bouge également beaucoup. La Jaguar XJ13 1966 à 12 millions de crédits est en stock limité pour le deuxième jour consécutif. Une voiture, je le rappelle, qu'il est indispensable d'avoir pour le trophée des 3 voitures de légende. La Ford Mustang Boss 429 de 1969 est en stock limité également pour le deuxième jour consécutif. Cette voiture est disponible à 269 000 crédits. Vous pouvez la remporter dans le GT Café numéro 14. La McLaren MP4 4 1988 est en rupture de stock. Elle est restée en vente une douzaine de jours. Si vous êtes passé à côté, il faudra attendre 2 mois, 3 mois environ avant qu'elle revienne. La Ferrari 250 GTO 1962 est en stock limité. C'est le dernier jour pour la prendre, elle est disponible à 20 millions de crédits, c'est excessivement cher. Si jamais vous avez les crédits, que vous avez besoin de cette voiture, c'est aujourd'hui qu'il faut l'acheter. Et enfin, pour terminer, la dernière voiture qui vient d'arriver en stock aujourd'hui, c'est la Jaguar XJR9 1988, véritable légende des 24 heures du Mans, disponible à 2 200 000 crédits. Une voiture avec un prix qui va baisser, donc si jamais vous en avez besoin, mais que vous pouvez attendre, je conseille peut-être d'attendre la prochaine fois pour la prendre. Si jamais vous êtes pressé et que vous avez les crédits, n'hésitez pas à la prendre dès maintenant ou dans les prochains jours. On se quitte là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Allez, à plus les gens!